Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bonheur de vous retrouver en ce 24e jour de Ramadan, un mois éminent et béni, le mois de la purification de l'âme. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de ce temps précieux pour multiplier les bonnes œuvres. Nous sommes dans les 10 derniers jours, donc persévérons sur nos efforts. Et je vous rappelle que lors de la 27e nuit de Ramadan, c'est-à-dire la nuit du mercredi 20 avril, les centres de l'APBIF seront ouverts pour des veillées de récitation de Coran, de dhikr, c'est-à-dire des évocations de Dieu, des prières, des rappels religieux, des madih. Je vous incite vivement à vous y rendre pour profiter de cette nuit bénie. Et pour l'heure, voici le programme du jour sur Radio Sunnite. Nous aurons le plaisir, comme d'habitude, d'écouter des madih, des récitations de versets du Coran et des très beaux rappels. Le docteur Faisal se joindra à nous dans la chronique « Paroles en or » afin de nous parler de l'ardeur dans la science. Car oui, la science de la religion est la vie de l'islam. Une personne ne deviendra pieuse qu'en apprenant ce que Dieu a ordonné d'apprendre, puis en accomplissant les obligations et en apprenant ce que Dieu a interdit de faire, puis en évitant les interdictions. Ensuite, on accueillera le Cheikh Nizar dans « Les actes ont un impact » qui évoquera le repentir. Que Dieu fasse que l'on soit de ceux qui se repentent, qui plus est en ce mois béni. Dans la rubrique phare « La clé du paradis », c'est le docteur Walid qui nous expliquera le sens détaillé de « Suratul Ikhlas ». Et enfin, le docteur Mamdouh nous emmènera sur les traces des vertueux, afin de nous parler d'un des fondateurs des quatre écoles de jurisprudence, à savoir l'imam Malik ibn Anas, que Dieu lui fasse miséricorde. Mais tout de suite, apaisons nos cœurs par cette magnifique récitation de Coran avec le Hajj Daoud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة
الفتنات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Que Dieu nous accorde.
chacune de ces douces nuits. Dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Moi de la purification de l'âme, de l'âme, Ramadan, au Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, au Ramadan. Alaykoum, le tamakoum et bien le tawhid. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين parole en or. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, chères auditrices, une fois de plus, la parole du Cheikh Abdullah que j'aimerais vous transmettre est une parole concernant la science et l'ardeur à en avoir davantage. Le Cheikh rahimahullah a dit une fois: قال الله تعالى لنبيه وقل ربي زدني علما. Allah Ta'ala a dit à son prophète, ce qui signifie, et dit: Seigneur, augmente-moi en science. Le Cheikh disait: لم يرد في القرآن أمر لنبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. Il n'est pas parvenu dans le Coran un ordre à son prophète de demander davantage d'une chose, mis à part dans la science. فأوصيكم بأن تثبتوا على الرغبة في تحصيل علم أهل السنة في العقيدة والأحكام. Je vous recommande donc de persévérer sur l'attachement à obtenir davantage dans la science de أهل السنة, dans la croyance et les jugements. لا تملوا, ne vous lassez pas. الكسل ينافي تحصيل العلم, la paresse est en contradiction avec l'obtention de la science. تحصيل العلم لا يتفق مع الكسل. Obtenir la science n'est pas en accord avec la paresse. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر من المدينة المنورة إلى مصر لأنه بلغه أن صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس مقيم بمصر وهو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر ابن عبد الله que Allah l'agré a voyagé de Médine l'Illuminée vers l'Égypte, car il lui était parvenu qu'un compagnon du nom de Abdullah ibn Unais était résident en Égypte et qu'il transmettait du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَسَافَرَ لِيَسْمَعَ مِنْهُ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ كَذَا فَأَقَرَّهُ الصَّحَابِي. Alors, il a voyagé afin qu'il entende de lui. Il a rencontré
et il lui a dit « Tu as entendu telle chose ?» Alors, le compagnon le lui a confirmé. « قال الشيخ هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم » C'est ainsi qu'ils accordaient de l'importance à l'obtention de la science. هو جابر رضي الله عنه أحد علماء الصحابة. جابر, que Allah l'agré, faisait partie des savants des compagnons. لكن هذا الحديث ما سمعه من الرسول. إنما بلغه أن فلانا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. Sauf que ce hadith, il ne l'avait pas entendu directement du messager, il lui était seulement parvenu qu'il y avait un tel qu'il avait entendu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. ماتت الهمم اليوم. De nos jours, les ardeurs sont mortes. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي. صلاح الدين الأيوبي, que Allah l'agré, avait mémorisé le Coran et avait mémorisé le livre At-Tanbih dans le fiqh shafi'it. Wa kitab al-Hamasa, et le livre al-Hamasa. Wa kana yahduru majalis al-Hadith, et il assistait aux assemblées de Hadith. Notre cheikh disait wal ilm alladhi yuktab yabqa, et la science qui est notée, elle reste. Law nasiya ash-shakhsu يرجع إلى ما كتب فيستعيد. Si la personne oublie, quand elle revient à ce qu'elle a écrit, alors elle se remémore. أما الذي يسمع ولم يقيد سريع النسيان. Quant à celui qui entend et qui ne note pas, oublie rapidement. والله تعالى أعلم وأحكم. Et Allah sait plus que tout autre, que Allah m'accorde à moi et à vous d'avoir davantage de science et d'avoir davantage d'ardeur dans la demande de la science. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Amin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah alayhi salatu wa sallam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. الفقراء خشية ربه.
ربه ورعى الضعاف وأكرم الأيتام. شهر به التنزيل أنزل محكما façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers auditeurs et chères auditrices, Ramadan, c'est un mois de générosité et de partage. Mais Ramadan, c'est aussi un mois où on se remet en question. C'est le mois du repentir. Eh oui, les actes ont un impact, les bons comme les mauvais. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, il faut se repentir. Mais comment faire? C'est le sujet du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Les auteurs des Sunan ont rapporté du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Inna al-mu'mina idha aznaba kanat nuktatun sawda'u fi qalbih, fa idha taba wa naza'a wa sta'taba suqila qalbuh, wa in zada zadat hatta yughlaqa qalbuh, fa thalika arranu alladhi qala Allahu ta'ala » كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ce qui signifie, certes, quand un croyant commet un péché, il se forme un point noir sur son cœur. Lorsqu'il fait le repentir, qu'il abandonne ce péché et le regrette, son cœur se purifie. Mais si au contraire, il récidive, ce point s'étend davantage jusqu'à ce que son cœur soit refermé. C'est là l'enveloppe que Dieu a mentionnée par sa parole, qui signifie « leurs cœurs ont été enveloppés d'une couche en raison de ce qu'ils faisaient ». Lorsque les péchés se succèdent sur les cœurs et qu'ils finissent par les refermer,
Il vient alors de la part de Dieu un sceau qui frappe son empreinte. Ainsi, la foi ne trouvera plus de voie pour parvenir au cœur et la mécréance ne trouvera plus de voie pour en sortir. Tout comme l'a dit Muhammad ibn Jarir al-Tabari, que Dieu lui fasse miséricorde. Il ne convient donc pas que l'un d'entre nous néglige le repentir, même s'il recommençait le péché une fois après l'autre. En effet, il y a dans le repentir des péchés un polissage pour le cœur avant qu'il ne soit complètement enveloppé par cette couche et qu'il ne soit donc scellé. Surtout que personne ne dise « Comment vais-je faire le repentir alors que je me suis déjà repenti auparavant et que j'ai à nouveau commis le péché après le regret ?» At-Tirmidhi a rapporté du messager de Dieu « Sallallahu alayhi wa sallam » « Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Ce qui signifie « La plupart des fils de Adam sont des pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Ce hadith signifie que la plupart des fils de Adam tombent dans les péchés et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent après avoir commis leurs péchés. Chaque fois qu'ils désobéissent, ils font le repentir. Chers auditeurs et auditrices, le repentir est une obligation que l'on doit accomplir immédiatement après n'importe quelle désobéissance, que le péché soit grand ou petit. Ne néglige aucune désobéissance de sorte à la laisser sans repentir, car certes, tu désobéiras en cela au Seigneur. Alors, ne pense pas qu'il s'agit d'un petit péché, mais pense plutôt à celui à qui tu désobéis. Si ton péché consistait à avoir délaissé une obligation, alors rattrape-la, car l'acceptation de ton repentir en dépend. Si ton péché concernait le droit d'un esclave de Dieu, alors l'acceptation de ton repentir dépendra du fait que tu auras rétabli cet ayant droit dans son droit et que tu te seras débarrassé des injustices que tu auras fait subir aux esclaves. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man kana indahu mazlamatun li akhih, fal yatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham » Ce qui signifie que celui qui a lésé son frère cherche à lui faire réparation, car il n'y aura plus alors, c'est-à-dire dans l'au-delà, ni dinar, ni dirham. Celui qui a été injuste envers son frère, en portant atteinte à son honneur, en insultant ou en consommant ses biens sans droit, alors qu'il fasse réparation dès aujourd'hui, car certes, le jour du jugement sera très difficile. Cependant, ne désespère pas de la miséricorde de Dieu, quel que soit le nombre de tes péchés. Dieu Ta'ala dit « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » Ce qui signifie « Ô vous, mes esclaves, qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est certes celui qui pardonne, celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants. Ô Allah, fais-nous miséricorde. Toi qui accordes beaucoup de miséricorde aux croyants, accorde-nous le repentir. Et ne dévoile pas nos défauts. Pardonne-nous, ô Allah. Accorde-nous ton pardon, ô Allah. Amin. » Notre chronique du jour, les actes ont un impact, s'achève sur ces du'as. Mais si vous voulez réécouter les précédentes émissions, sachez qu'elles sont disponibles en ligne sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel
وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches, à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام طاعات وصيام أهلا يا رمضان طاعات وصيام أهلا يا رمضان حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع نعطيه بخشوع لله الرحمن نعطيه بخشوع لله الرحمن حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم تجني يا إنسان ثمرات الإحسان تجني يا إنسان ثمرات الإحسان تجني يا إنسان ثمرات الإحسان من بعد الإيمان خيرا في الميزان من بعد الإيمان خيرا في الميزان حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم نوصيكم بالسير في طرقات الخير نوصيكم بالسير في طرقات الخير نوصيكم بالسير في طرقات الخير فتمنوا للغير نفعا واطمئنان فتمنوا للغير نفعا واطمئنان حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام طاعات وصيام أهلا يا رمضان طاعات وصيام أهلا يا رمضان حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم
لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع نعطيه بخشوع لله الرحمن نعطيه بخشوع لله الرحمن حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات امضوا كل اليوم سعيا للطاعات امضوا كل اليوم تجني يا انسان ثمرات الاحسان تجني يا انسان ثمرات الإحسان تجني يا إنسان ثمرات الإحسان من بعد الإيمان خيرا في الميزان من بعد الإيمان خيرا في الميزان حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم 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 Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, accueillons maintenant le docteur Walid dans la rubrique « La clé du paradis ». Depuis le début de Ramadan, il nous a fourni des informations essentielles dans la religion musulmane sur de multiples sujets. Je vous invite vivement à réécouter toutes ces interventions disponibles sur notre chaîne APBIF-officielle dans la playlist Radio Sunnite. Et pour ne manquer aucune de nos diffusions, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Revenons au programme d'aujourd'hui. Le docteur Walid va nous expliquer de manière détaillée une sourate. Elle ne comporte que 4 versets. C'est la 112e sourate du Coran honorée. Il s'agit bien de Sourate Al-Ikhlas. Accordons dès à présent toute notre attention au docteur Walid, à qui je laisse à présent la parole. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين Louange à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au Maître des messagers, notre Maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante. Quelle est la signification détaillée du verset « Lam yalid wa lam yulad » de Sourate Al-Ikhlas ? Incha'Allah, nous allons répondre. Mais d'abord, pourquoi cette sourate
a-t-elle été appelée Sourate al-Ikhlas? Les savants ont dit parce que celui qui a cru correctement en sa signification sera sauvé du séjour éternel en enfer. Regardez cette sourate éminente, qui pourtant ne comporte pas beaucoup de lettres. Combien est importante sa signification. Cette sourate s'appelle aussi Sourate al-Wahdaniyya, la sourate de l'unicité, parce qu'elle enseigne que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé. Parmi ces noms, il y a aussi Sourate al-Ma'rifa, la sourate de la connaissance. Ils ont dit parce que celui qui a eu pour croyance sa signification, il aura connu Dieu. Donc Sourate al-Ikhlas comporte beaucoup de significations, de l'exemption de Dieu de toute imperfection, de son unicité et de sa glorification, Azza wa Jal. Et ce verset, Lam yalid wa lam yulad, dont la signification en français est « il n'engendre pas et il n'est pas engendré », fait partie de cette sourate. Quelle est la signification de ce verset et de cette sourate en général? On va y répondre, Inch'Allah, en disant que le sens du verset « Lam yalid wa lam yulad » c'est de nier que Dieu est une origine ou qu'il soit lui-même une origine pour autre chose. Donc la phrase dit en français « il n'est pas engendré ». Il n'est pas engendré. C'est la signification en français de la parole « wa lam yulad ». Elle n'est pas seulement dans le sens de l'enfantement, mais elle signifie aussi le fait qu'une chose découle d'une autre chose. On nie cela au sujet de Dieu. Ou encore qu'une matière engendre une autre matière. On nie cela au sujet de Dieu. Dieu n'est pas une matière et il n'est pas concerné par cela. On ne dit pas au sujet de Dieu qu'il a pour origine telle chose, ni qu'il est lui-même l'origine de telle autre chose. Bien sûr, il est le créateur de toute chose, mais on ne dit pas que les créatures seraient issues de Dieu, ni qu'elles seraient une partie de Dieu, ni que Dieu s'incarnerait dans ses créatures. Pas du tout. Quand on parle des créatures, on dit telle chose est créée à partir de l'eau. Elle a pour origine l'eau. Telle chose est créée à partir du feu. Elle a pour origine le feu. Telle chose est créée à partir de lumière. Elle a pour origine la lumière. Cela veut dire qu'une telle chose, elle a existé à partir de telle autre chose. Son origine, c'est cette autre chose-là, c'est une matière. Mais Dieu est exempt de tout cela. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Il n'est pas lui-même une matière qui serait l'origine des créatures, qui engendrerait les créatures, et lui-même n'est pas engendré, c'est-à-dire il n'est pas issu d'une origine. Donc Allah ne s'incarne pas dans les créatures, c'est-à-dire qu'il ne se mélange pas avec les créatures. L'incarnation dans quelque chose ou le mélange avec quelque chose est une caractéristique des créatures. Tu vas diluer du sucre dans de l'eau. Cela est une preuve que ce corps, qui est le sucre, s'est mélangé avec l'autre, qui est l'eau. Il s'est dissous dans cet autre. Celui qui s'incarne ou qui se dissout dans autre chose a des semblables innombrables. Donc, revenons au verset. Il y a quatre principes fondamentaux que les savants ont établis à partir de ce verset. Lam yalid wa lam yulad. Le premier, Dieu ne s'incarne pas dans les créatures. C'est-à-dire, il ne s'incarne pas dans les endroits ni dans les corps. Le deuxième, et rien ne s'incarne en lui. C'est-à-dire, aucun attribut n'entre en existence en lui. Le troisième, rien ne se détache de lui, ni ne se sépare de lui. En effet, Dieu n'est pas une substance. C'est cela le sens de Lam yalid. Il n'engendre pas, donc il ne se divise pas, il ne se partitionne pas, il n'est pas un corps qui se diviserait.
il n'est pas un tout d'où se décomposeraient des parties. Voilà pour le troisième principe. Et pour le quatrième, et il n'est pas issu de quelque chose. Dieu n'est pas issu de quelque chose. C'est-à-dire que Dieu lui-même, on ne dit pas de lui qu'il se détache de quelque chose et donc il n'est pas une partie d'un tout. On ne dit pas qu'il a une origine. Donc je répète, écoutez bien, chers auditeurs, ces quatre règles de base déduites par les savants à propos de Dieu à partir de ce verset. Dieu ne s'incarne pas dans les créatures. Rien ne s'incarne en lui. Rien ne se détache de lui et n'est pas issu de quelque chose. C'est pour cela que celui qui croit que Dieu est un corps n'a pas connu Allah. Parce que le corps se divise en parties. Et Allah, la division, lui, est impossible. Elle est impossible à son sujet, car il n'est pas un corps. De même, n'a pas connu Dieu celui qui a cru en l'incarnation au sujet de Dieu. Parce que l'incarnation est une fausse croyance, c'est un égarement. Qui a rapporté l'unanimité sur la mécréance de ceux qui ont pour croyance que Dieu s'incarne dans les choses? C'est Al-Hafidh As-Suyuti dans son livre Al-Hawil Al-Fatawa. Et d'autres parmi ceux qui ont rapporté l'unanimité à propos de la mécréance de ces gens-là. Donc, Dieu, rien ne se détache de lui, ça on l'a expliqué, et rien ne s'incarne en lui. Donc ça c'est le deuxième principe, rien ne s'incarne en lui, c'est-à-dire aucun attribut ne survient en lui. Allah Ta'ala est exempt de cela. L'entrée en existence d'un attribut est une preuve que l'être qui a cet attribut est entré lui-même en existence. Tout être à qui advient un attribut qu'il n'avait pas, lui-même, il est entré en existence, il est créé, son existence a un début. C'est pour cela que le Cheikh Abdullah, rahimahullah ta'ala, avait dit dans le Mukhtasar, du fait que l'exemption de début a été confirmée pour l'être de Dieu, il est obligatoire, selon la raison, que ces attributs soient également exempts de début, parce que l'entrée en existence de l'attribut implique l'entrée en existence de l'être qui a cet attribut. Remarquez maintenant, si on bouge la main, cela veut dire qu'il y a un mouvement qui est survenu pour notre main, et c'est une preuve que notre main elle-même est entrée en existence, elle est créée. Tout être auquel il arrive un nouvel attribut, lui-même, il est entré en existence. Son existence a un début. C'est pour cela que Dieu, il est impossible qu'une chose s'incarne en lui, car l'entrée en existence est impossible au sujet de Dieu. Allah tabaraka wa ta'ala est éternel. Notre maître Ali al-Khawas, qui était le cheikh de Abdul Wahhab al-Sha'rani, faisait partie des soufis véridiques. Que Dieu lui fasse miséricorde. Ali al-Khawas, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il n'est pas permis de dire que Dieu est dans tous les endroits. Et c'est vrai. Parce que celui qui est dans tous les endroits, il est comme l'air, il a des semblables innombrables. Allah est exempt du fait d'occuper un endroit et de s'incarner dans les endroits. Donc la croyance de Ahl-Sunna wal-Jama'a à propos de Dieu, Azza wa Jal, c'est que Dieu existe sans endroit. Revenons maintenant à la sourate. Quelle était la cause de la révélation de sourate al-Ikhlas? La cause est qu'il y a eu un groupe de non-musulmans qui sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, « Siflana Rabbak, décris-nous ton Seigneur, celui que tu adores. » Alors, il fut révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette sourate. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a récité la sourate. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Hazihi sifatu Rabbi azza wa jal. Ce qui veut dire en français, voici les attributs de mon Seigneur, Azzawajal. J'insiste là-dessus parce que certaines personnes ignorantes reprochent
à Ahl al-Sunnah wal-Jama'a qu'il parle de quoi ? Des attributs de Dieu. Ceux qui nous reprochent l'enseignement des attributs de Dieu et de l'exemption de toute ressemblance avec les créatures, on leur répond « Regardez, regardez ici ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Hazihi sifatu Rabbi. Voici les attributs de mon Seigneur, Azza wa Jal. » Le mot « sifa », attribut, existe donc dans le hadith. Nous disons cela car il y a des gens qui renient le fait d'utiliser le terme « attribut » au sujet de Dieu. A'ouzou billah. En résumé, Allah est exempt de toute ressemblance avec ses créatures. C'est pour cela que « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » signifie « dit au Muhammad » que Allah est « أَحَدْ » c'est-à-dire que Dieu n'est pas un corps composé de parties et qui serait alors divisible. Non, Dieu n'est pas un corps. Il n'est pas composé de parties. Il ne se partitionne pas et il ne se décompose pas. Allahu Samad signifie qu'il n'a pas besoin des créatures, il n'a besoin de rien et tout autre que lui a besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire il n'est pas une origine et lui-même n'est pas issu d'une origine. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire il n'a aucun équivalent ni aucun semblable. Voilà la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Que Dieu fasse que nous persévérions, vous et moi, sur cette croyance jusqu'à la mort. Amin. Cette sourate, diffusez-la aux gens. Cette sourate, sa signification est extrêmement importante. Barakallahu fikum, que Dieu vous accorde des bénédictions. Il est très important d'expliciter l'essence de cette sourate aux gens. Nous avons su, à partir d'elle, l'exemption de Dieu du corps. En lien avec ce sujet, écoutez cette argumentation et utilisez-la aussi auprès des gens. Lorsque les associateurs, c'est-à-dire ceux qui adoraient les idoles à la Mecque à l'époque, ont su que notre maître Bilal était entré en islam, alors qu'il était un esclave, avant que notre maître Abu Bakr ne l'achète et ne l'affranchisse, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre maître Bilal ? Il lui avait mis un rocher sur la poitrine. Il le frappait et il lui disait « Di Hubal, Di Allat, Di Uzza » et ce sont les noms de certaines idoles adorées par les associateurs. C'est comme s'il lui disait « Attribue un associé à Dieu !» A'ouzou billah. Qu'est-ce qu'il voulait de lui ? Il voulait de lui qu'il dise la parole de mes créances. Et lui, qu'est-ce qu'il leur disait ? Il disait une seule expression, une seule parole qu'il répétait. Ahadun ahad, ahadun ahad. Subhanallah. Qul huwallahu ahad. Il disait ahadun ahad. Regardez ce que le Cheikh Abdullah, rahimahullah, a dit à ce sujet. Par la parole ahadun ahad, Bilal leur a fait comprendre que le corps ne méritent pas d'être adorés. Et eux, ils comprenaient l'arabe. C'est pour cela qu'ils étaient exaspérés, car ils étaient des adorateurs d'idoles, des adorateurs d'images, des adorateurs de corps. Ils ont compris de cette parole que leur adoration est fausse. Donc, celui qui adore un corps, celui-là, sa religion, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est infondée. Vous avez vu ? C'est-à-dire qu'il leur a démontré l'invalidation de l'adoration des idoles et de tout ce qui a un corps, par sa parole « Ahadun Ahad », parce que Dieu n'est pas un corps. Ils ont compris que leur religion est fausse. C'est quoi leur religion ? L'adoration des corps et des images. Et Allah n'a pas de corps ni d'image. L'imam Ja'far al-Sadiq a dit « من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. En français, cela veut dire celui qui prétend que Dieu est dans quelque chose, de quelque chose ou sur quelque chose, alors il a adoré autre que Dieu. Celui qui a cru ou qui a dit
que Allah Ta'ala est dans quelque chose. Il a rendu Dieu cerné, entouré, circonscrit. Donc, il aura adoré autre que Dieu, parce que Dieu n'est pas ainsi. Et celui qui prétend que Dieu est sur quelque chose, comme par exemple si on pose un livre sur une table, ce livre sera porté par la table. Celui qui dit que Dieu lui-même occuperait une place sur quelque chose, sa parole signifie que Dieu est porté. Quant à l'élévation, à l'ulou, qui est attribuée à Allah dans les textes religieux, il s'agit de l'élévation par la domination, l'élévation du degré et de la valeur. C'est ce qui est attribué à Allah dans le Coran et dans le Hadith. Quant à la direction ou au fait d'être porté, de s'établir, d'être à proximité ou être assis, ou ce qui est de cet ordre, tout cela fait partie des caractéristiques des créatures. Ce n'est pas digne de Dieu. Et celui qui prétend que Dieu est issu de quelque chose, il l'a considéré comme étant entré en existence. Et là, il aura adoré autre que Allah Ta'ala, parce que Dieu est éternel. En effet, la dame Aïcha a dit que Allah l'agrée, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, ay mimma in wa turab. » Ce qui signifie « Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés à partir d'une flamme de feu sans fumée. » Et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire d'eau et de terre. Celui qui est issu de quelque chose, qu'est-ce qu'il est ? Il est créé. Il est créé et Allah est le créateur éternel. Donc cette parole de l'imam Ja'far al-Sadiq est rapportée par Al-Qushayri dans Al-Risalatul Qushayriya. Sachez, chers auditeurs, que Ja'far al-Sadiq, que Dieu l'agrée, était un mujtahid, comme notre maître Al-Shafi'i et ceux qui sont de cet ordre. Il était même avant Al-Shafi'i, et certains savants ont appris de lui une certaine quantité de science. Il faisait partie des salafs vertueux, et il a précédé certains imams mujtahid réputés. Il était donc un mujtahid, mais son école n'a pas été consignée par écrit. Subhanallah. Mais il a quelques propos diffusés dans certains livres. Ja'far al-Sadiq est de la descendance de notre maître Ali, que Dieu les agrée tous les deux. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, nous allons lire une composition comportant une réplique à ceux qui prônent l'unité absolue et l'incarnation. La croyance en l'unité absolue, c'est quoi ? C'est de croire que Dieu et le monde seraient une seule et même chose. Selon eux, il n'y a que Dieu qui existe. Et les créatures ne seraient en fait que des manifestations de Dieu lui-même. A'ouzou billah. Ils disent, toi tu es Dieu, et le mur c'est Dieu. Que Dieu nous en préserve. Quant à la croyance de l'incarnation, ils disent que Dieu s'incarne dans les créatures. Elle consiste à croire que Dieu s'incarne dans ses créatures, et donc que les créatures seraient une partie de Dieu. Les savants musulmans ont combattu ces deux croyances contraires à l'islam. Parmi les savants qui ont mis en garde contre ces croyances, il y a le cheikh Bahauddin al-Rawas. Ce cheikh faisait partie des grands rifa'iyya vertueux. Al-Rawas est très souvent cité dans les madih. Certains de vous ont dû sûrement entendre parler de lui. Il y a d'autres personnages dont le nom est Ar-Rawas, mais celui-là, Bahauddin, que Dieu lui fasse miséricorde, avait composé un ouvrage dans la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, des soufis véritables, qui est en fait la même. Ahl-Sunnah wal-Jama'a et les soufis véritables, ils ont la même croyance. Parce que le soufisme véritable revient à suivre la loi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ce cheikh Ar-Rawas, que Dieu l'agrée, lorsqu'ils ont voulu déplacer son corps de là où il était enterré vers un autre endroit, ils l'avaient retrouvé intact. Il s'était écoulé plusieurs dizaines d'années.
ils l'ont trouvé intact, que Dieu lui fasse miséricorde. Donc le cheikh Al-Rawas avait composé des vers de poésie pour répliquer à ceux qui croient que Dieu et le monde sont une seule et même chose, ou qui croient que Dieu s'incarne dans le monde. Alors écoutez ce qu'il a dit dans ces belles paroles. Ça veut dire « délaisse l'illusion des gens de l'unité absolue ». Ça veut dire « ne suis pas leurs paroles ». Ne suis pas ceux qui prétendent que Dieu et le monde ne font qu'un. وَفْهَمْ رُمُوزَ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِقَ Ça veut dire « et comprends l'essence de l'union et de la différenciation ». C'est-à-dire tu dois différencier entre le Créateur et la créature. Il est interdit de croire que Dieu et le monde sont une seule et même chose. Il faut croire que Dieu est différent des créatures. C'est une obligation. كل اتحاد حكمه باطل. Toute union de ce genre, son jugement est invalide. Cela veut dire que celui qui croit que Dieu s'unit avec le monde, c'est-à-dire que Dieu et le monde sont une seule et même chose, cela est un égarement. Ainsi que celui qui croit qu'une créature s'est unie avec Dieu, comme ceux qui disent que Dieu s'est incarné en Jésus et qu'il serait devenu un seul Dieu, par exemple. Toute unification de Dieu avec le monde ou une partie du monde ou avec l'une de ses créatures, tout ceci est un égarement. Ça veut dire « et les preuves constatées ont détruit cette prétention ». Parce que le constat prouve que le monde change. Nous constatons que le monde change, alors que Dieu ne change pas. Et ce constat détruit cette fausse croyance. Il l'annule et démontre son invalidité. من غير الأيام أحواله. Celui pour qui les jours ont changé son état. Si tu regardes l'être humain, il change d'un état à un autre. Et comment ce monde change d'un état à un autre, il parle lui de l'être humain. وشيبت رغم له مفرقة. Et qui ont fait blanchir ses cheveux malgré lui. Oui, l'être humain constate en lui-même les signes comme quoi il change. Par exemple, que voit-il sur ses cheveux? Qu'ils étaient noirs au début, puis ils deviennent blancs. Cela indique quoi? Le changement. Ensuite, la vieillesse l'a fait courber, puis l'a fait mourir. Et oui, il a commencé à courber le dos avec le temps. Et ça arrive à beaucoup de gens. Cela aussi indique le changement et l'impuissance. Puis il meurt. تَحْتَثَّرَ فِي حُفْرَةٍ مُغْلَقَةٍ Sous le sol, enseveli, dans une tombe fermée. Et oui, il est descendu sous terre. وَكُلَّ وَقْتٍ كُلُّهُ حَاجَةٌ Et celui qui, de son être, à chaque instant, il a besoin, il est dans le besoin. لِسَوْبِهِ وَالْخُبْزِ وَالْمَلْعَقَ De ses vêtements, de son pain et de sa cuillère. En fait, la cuillère ici, c'est un symbole pour désigner la nourriture. Il a besoin de manger, il a besoin de se vêtir. يَبُولُ مَقْهُورٌ وَتَلْوِيبِهِ Il urine par contrainte. Car son corps en sueur l'oblige. لِنَوْمِهِ جُثَّتُهُ De se lever de son sommeil pour y aller. En fait, il se lève de son sommeil pour aller uriner. Subhanallah. Aussi fort que soit l'être humain, même s'il possède le monde entier, lorsqu'il vient le moment d'uriner, il ne peut pas s'en empêcher. Il lui est indispensable même de se lever du lit. Ceci est une preuve d'impuissance, effectivement. يَكُونُ عَيْنَ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ Ne ferait-il qu'un avec Dieu lui-même, qui est tout-puissant? Voilà. Comment cet être-là, qui est sujet à tant de changements, pourrait-il être Dieu lui-même? Pas du tout. Ceci est impossible.
c'est-à-dire que toutes ces variations dont il parle, que subit l'être humain, il mange, il a faim, il a soif, il ne peut s'empêcher d'uriner, il change, il meurt, il sera enseveli sous terre. Une telle créature serait-elle Dieu? Absolument pas. Hacha, waza min danasi zandaka. Absolument pas. Et ceci fait partie de la vermine de l'irréligion. Oui, ceci est une irréligion. On peut dire aussi incrédulité. Le mot azandaka en arabe, c'est l'opposé de la religion. Tout ce qui est contraire à la religion, on l'appelle irréligion. Et parfois, on utilise ce terme pour celui qui ment au sujet de la religion. On dit il est zandik. C'est-à-dire, il dit des choses qui ne font pas partie de l'islam, mais en prétendant qu'elles font partie de l'islam. Que Dieu nous en préserve. ما وحد الله تعالى امرء معتقد بالوحدة المطلقة. Ça veut dire n'a aucunement cru en l'unicité de Dieu un homme qui a pour croyance l'unité absolue. N'est pas musulman celui qui croit que Dieu et le monde ne sont qu'une seule et même chose. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Dr Walid, pour votre intervention. Que Dieu vous rétribue en bien. Chers auditeurs, notre vidéo reste en ligne. Vous pourrez prendre le temps de réécouter les vers de poésie du Cheikh Ar-Rawas, composés pour répliquer à ceux qui croient que Dieu et le monde sont une seule et même chose, ou ceux qui croient que Dieu s'incarne dans le monde. Et comme le Dr Walid vient de nous l'expliquer, celui qui a cru correctement en la signification de Surat Al-Ikhlas sera sauvé du séjour éternel dans l'enfer. Alors que Dieu nous accorde la bonne compréhension de ces versets honorés. Amin. On vous retrouve demain, Dr Walid, Inch'Allah, pour un nouveau sujet dans la rubrique phare, la clé du paradis. Quant à vous, chers auditeurs, restez à l'écoute. Notre programme se poursuit avec le Dr Mamdouh dans la rubrique « Sur les traces des vertueux », juste après une courte pause madih. Il nous parlera de l'imam Malik. في البرايا ما له مواسي.
Les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Chers auditeurs de Radio Sunnite, la voix de la PBIF, j'accueille le docteur Mamdouh qui va nous parler d'un grand vertueux, l'un des fondateurs des quatre écoles de jurisprudence, l'imam Malik. Docteur Mamdouh, assalamu alaikum. Bienvenue sur Radio Sunnite pour la rubrique sur les traces des vertueux. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Encore une fois, je suis enchanté d'être parmi vous. Alors, docteur Mamdouh, commençons tout de suite par aborder son ascendance, l'ascendance de l'imam Malik, si vous le voulez bien. Sachez que l'imam Malik est surnommé Abu Abdillah. Il s'appelle Malik, fils de Anas, fils de Malik, fils de Abu Amir, Anas, fils de Al-Harith, fils de Ghayman, Al-Asbahi, Al-Madani. Son grand-père s'appelle Malik, fils de Anas, et faisait partie des grands successeurs des compagnons. L'un de ceux qui ont porté le corps du calife, Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, de nuit jusqu'à sa tombe. L'imam Malik est le fondateur de l'une des quatre écoles de jurisprudence qui a été conservée jusqu'à nos jours et qui est réputée et diffusée dans les pays musulmans. L'imam Malik est né à Médine l'Illuminée en l'an 95 de l'Hégire. Il a grandi avec beaucoup d'application pour l'apprentissage de la science et le fait de rapporter le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appartient donc aux savants du salaf, puisqu'il a vécu dans les trois premiers siècles de l'Égypte. Vous venez de dire aussi qu'il a rapporté beaucoup de hadiths. Est-ce qu'il a rapporté ces hadiths des compagnons ou de leurs successeurs? L'imam Malik a pris la science et il l'a rapportée d'un grand nombre de successeurs des compagnons et de successeurs des successeurs des compagnons et qui sont comptés par des centaines.
il était, que Allah lui fasse miséricorde, l'imam de la terre de l'émigration, à savoir Médine l'Illuminée, Al-Madina, Al-Munawwara. Et sa science s'est propagée dans les différentes contrées. Il était réputé dans plusieurs pays et on effectuait des voyages pour venir à lui des différentes régions. Il enseignait déjà alors qu'il était un jeune homme de 17 ans. 17 ans, mashallah. Que Allah nous accorde de suivre les pas de ce vertueux dont la renommée s'est propagée jusqu'à notre époque. À présent, docteur Mamdouh, pouvez-vous nous parler de son célèbre livre Al-Muwatta? Alors, le mot arabe Muwatta signifie ce qui est rendu facile. Ce livre Al-Muwatta de l'imam Malik était le premier livre dans son genre, composé de hadiths et de sujets de la jurisprudence ensemble. L'imam Malik a mis 40 années pour l'écrire. Il contient beaucoup de hadiths avec des chaînes de transmission jugées par les spécialistes du hadith comme étant les plus authentiques. L'imam Ash-Shafi'i a dit au sujet de ce livre « Il n'est pas apparu sur terre après le livre de Allah, le Coran, de livres plus authentiques que le livre de Malik, radiyallahu anhuma. » Et c'est un bel éloge de la part de l'imam Shafi'i, qui est d'ailleurs l'un des fondateurs d'une autre école de jurisprudence, et on aura l'occasion d'ailleurs de parler davantage de ce grand savant. Mais revenons à l'imam Malik. Alors, l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, radiyallahu anhu, a été interrogé au sujet de l'apprentissage de la science de la religion. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, c'est quelque chose de très bien, mais considère d'abord ce dont tu as besoin depuis que tu te lèves jusqu'à ce que tu arrives au soir. Et c'est à cela que tu as à t'attacher. C'est-à-dire qu'il conseille de chercher d'abord les sujets de base, les sujets de la science de la religion qui servent dans la vie de tous les jours. Donc parmi toutes les sciences qui concernent la religion, l'imam Malik a incité à se concentrer en priorité sur les sujets de base. C'est d'ailleurs ce que préconisait le Cheikh Abdullah Al-Harari, que Allah lui fasse miséricorde. Rahimahullahu ta'ala, radiyallahu anhu, tout à fait. Et c'est également ce sur quoi insiste en priorité la PBIF dans son enseignement. Un enseignement, une méthode fondée sur les enseignements et la méthode du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur les enseignements et la méthode des vertueux. Mashallah. Vous nous avez dit que l'imam Ash-Shafi'i a fait l'éloge de l'imam Malik et de son livre. Est-ce que d'autres savants ont fait son éloge? Oui, il a été rapporté que beaucoup de savants, des successeurs des compagnons, ont dit que l'imam Malik, que Allah l'agré, est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visé par son hadith, dans lequel il avait annoncé la bonne nouvelle. Il a dit « Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibil » فَلَا يَجِدُونَ أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَ. Ce qui signifie, il arrivera bientôt un temps où les gens vont effectuer des voyages et ils ne trouveront pas qui a plus de science que le savant de Médine. Et il est d'ailleurs surnommé le savant de Médine. Docteur Mamdouh, j'ai entendu parler du grand respect qu'avait l'imam Malik pour le hadith. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Eh bien, on raconte que lorsque les gens venaient chez l'imam Malik, on leur disait « Le Cheikh vous demande, est-ce que vous voulez aujourd'hui apprendre le hadith ou bien les questions de jurisprudence ?» S'il répondait les questions, il sortait à eux. Mais s'il lui disait le hadith, il rentrait dans l'endroit où il faisait le wudu et se parfumait. Il mettait ensuite des habits neufs et un turban, ainsi que son écharpe verte et sa cape. On lui sortait une estrade. Il s'asseyait dessus
avec la crainte de Allah et on faisait brûler du bakhour, de l'encens, du bois d'agar, en arabe al-oud, jusqu'à ce qu'ils finissent de rapporter le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, que Allah lui fasse miséricorde, ne s'asseyait sur cette estrade que lorsqu'il rapportait le hadith du messager de Allah, alayhi salat wa salam. Vous savez, il a été interrogé à ce sujet. Pourquoi il ne s'asseyait sur cette estrade que quand il rapportait les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa salam? Il a répondu, j'aime glorifier le hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne cite le hadith qu'en ayant fait mon wudu et en étant bien assis. Oui, effectivement, l'imam Malik, qui est le fondateur de l'une des quatre grandes écoles de jurisprudence, était un homme rempli de science et de piété. Et d'ailleurs, qu'a-t-il dit concernant la croyance? L'imam Malik, que Allah l'agrée, était de ceux qui s'attachaient à la sunna, la voie prophétique pure, celle sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa croyance était celle du prophète, celle des compagnons honorables et de la famille pure du prophète. C'est lui qui a énoncé cette loi de grande valeur. On ne dit pas « kaïf ». Comment ? Au sujet du Créateur. Et « kaïfa », demander « comment ? Au sujet de Allah » est exclu. Donc, Allah est exempt du « comment ». Ainsi, l'imam Malik croyait en l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures. Il croyait en l'exemption de Allah de l'endroit, de la forme, de l'image, du mouvement, du déplacement et du changement. Très bien. Ce sont des paroles très importantes dans la croyance. On entend souvent dire que l'imam Malik était ascète. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'ascétisme? Oui, l'imam Malik était effectivement ascète, c'est-à-dire qu'il n'était pas épris du bas-monde, il n'était pas attaché au bas-monde. Lorsque l'argent et les biens lui ont été amenés des différentes contrées, puisque sa science et ses élèves s'étaient propagés, il distribuait les biens qu'il recevait dans les voies de bienfaisance, dans les voies agréées par Allah Azza wa Jal. Ce qui indique aussi qu'il ne cherchait pas les biens de ce bas-monde pour lui, c'est sa parole. « J'étais parti voir Haroun al-Rashid, le calife abbasside, et il m'a dit « Oh Aba Abdillah », le surnom de l'imam Malik. Il lui a dit « Ya Aba Abdillah, il convient que tu viennes plus souvent chez moi pour que les enfants entendent le Muwatta ». Malik lui avait répondu que Allah honore l'émir des croyants, mais la science en vient à elle, elle ne vient pas chez vous. C'est alors que Haroun a dit, tu as dit vrai, allez à la mosquée pour écouter avec les gens. Ainsi, l'imam Abu Hanifa avait même décliné l'invitation du calife Haroun al-Rashid à transmettre la science chez lui, pour lui rappeler le respect dû à la transmission de la connaissance. Oui, c'est intéressant de savoir que l'imam Malik vivait à l'époque de Haroun al-Rashid, l'un des plus grands califes abbassides, mais que malgré cela, malgré ce statut, l'imam Malik n'était pas impressionné pour autant. Il a dit « La science, on vient à elle, elle ne vient pas chez vous ». Masha'Allah, quelle belle parole. Un dernier point à aborder, docteur Mamdouh? Oui. Pour bien finir, je parlerai de son décès, radiyallahu anhu. C'est vers l'an 179 de l'Hégire que l'imam Malik est décédé à Médine l'Illuminée, après 18 nuits passées de Rabi' al-Awwal. Il a été enterré au cimetière de Al-Baqi' tout près de Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a eu des élèves tous véridiques, qui avaient énormément de science. S'il n'y avait eu parmi ses élèves que le fils de Idris, l'imam al-Shafi'i, à lui seul, cela aurait suffi pour l'honneur de l'imam Malik, radiyallahu anhu.
Oui, effectivement, l'imam Shafi'i, que nous verrons plus tard dans une autre émission, était l'élève de l'imam Malik. Que Dieu leur fasse miséricorde, que Dieu fasse miséricorde à cet illustre savant, l'imam Malik. Amin, amin. Et nous n'oublions pas que ces savants, ces compagnons que nous citons dans notre rendez-vous sur les traces des vertueux, sont parmi ceux qui ont contribué à faire parvenir notre belle religion jusqu'à nous. Subhanallah, ils ont un grand mérite. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Vous avez tout à fait raison. Méditons sur cela et inspirons-nous de ces vertueux pour œuvrer davantage et faire preuve de bon comportement, inshallah. Merci, docteur Mamdouh, d'avoir été présent avec nous ce soir. Je vous donne rendez-vous très bientôt, inshallah. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous invite à vous abonner à notre chaîne APBIF-officielle afin de ne rien manquer des épisodes de notre chronique sur les traces des vertueux. أحمد رسول الله بلسم لروحي بلسم لراحي غوان من شوقي أنا من شوقي أنا من شوقي بقول الله عليه بيبدأ الصلاة السلام زد صلاتك على أغلى من نور العينين هادينا جد الحسنين أغلى من نور العينين هادينا جد الحسنين أغلى من نور العينين ولو هقول في الحب وغني ما مثل واحد في الكونين ما مثل واحد في الكونين بالمصطفى الطيب عمري حلا ومكسبي محمد واتمنى نول مطلبي نظرة ومدد مقربي ويملى ذكر الأنس علينا الهاشمي الطيب المصطفى الطيب محمد عمري حلا ومكسبي يا حبيبي واتمنى نول مطلبي نظرة ومدد مقربي ويملى ذكر الأنس علينا الهاشمي الطيب تربت ع حبه وأنا وبربي أولادي وبحبه بلقى الغنى والحب ده زادي تربت ع حبه وأنا وبجمال قلبي بقى دايب للهيام
اثنين كمان اثنين يلا بقى نصلي على الزين على الزين مش مرة واحدة زدنا اثنين كمان اثنين وزي ما بدأنا بيها نختم سلامنا وصلتنا على الزين سلامنا وصلتنا على الزين سلامنا وصلتنا على الزين اللهم صل على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آله وصحبه والتابعين En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين ولا تردنا خائبين بجاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا
وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأنبت أولادنا نباتا حسنا واختم لنا ولهم بالحسنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Sur ces belles paroles, notre émission touche à sa fin en ce 24e jour de Ramadan de l'an 1443 de l'Hégire. Je vous remercie pour votre fidélité et pour tous les messages de soutien que vous laissez quotidiennement sur les différentes plateformes. Juste avant de rendre l'antenne, permettez-moi de finir avec un conseil. Veillez durant Ramadan en faisant des invocations, des prières ou en récitant le Coran est l'habitude des gens vertueux, surtout pendant le mois béni de Ramadan. Et plus précisément, au cours des 10 dernières nuits de ce mois béni. En effet, il a été rapporté dans les deux recueils sahih de Al-Bukhari et Muslim d'après Aisha, qu'elle a dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashru ahya al-layl wa ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah » Ce qui signifie « Lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan commençaient, le messager de Dieu attachait son vêtement autour de la taille, veillait les nuits et réveillait sa famille. » Que Dieu nous accorde de fournir des efforts dans les actes de bien, dans ces nuits éminentes et bénies qui nous restent de Ramadan. Je vous rappelle que celui qui a des prières à rattraper, qu'il se consacre à les rattraper, car certes, la dette envers Allah, envers Dieu, est celle qui est prioritaire. N'oubliez pas les veillées nocturnes qui auront lieu la 27e nuit de Ramadan, la nuit du mercredi 20 avril, Inch'Allah. Taqabbalallahu ta'atikum. Je vous dis demain à 19h, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.